Bienvenue dans un nouveau vlog! Et voilà, on se retrouve dans un nouveau vlog. Un vlog, je sais pas si ça sera un weekly vlog, mais en tout cas un vlog shopping et copine, puisque là je suis en Belgique, on est mardi. Je suis en Belgique avec ma crapouillotte qui est juste derrière, la cachée. Ah! Hey! Je suis cachée derrière une fenêtre! Et du coup on va voir qui est là, on va voir Ella Rayon de Soleil, une youtubeuse, je vous la mettrai bien sûr en barre d'infos ses vidéos, moi vous, je vous en parle souvent donc si vous la suivez pas c'est bizarre, mais en tout cas si vous aimez la beauté, les bons plans, tout ça, si vous aimez les bons plans et tout ça et le shopping et tout, bah c'est là qu'il faut suivre, hein, en niveau make-up en tout cas, je pense qu'elle va nous faire des petites balades donc je vais aller la rejoindre tout de suite. Regardez avec qui je suis. Coucou. Notre bellissime Ella. Moi, je suis chez elle et c'est trop sympa d'être chez elle d'ailleurs. Et là, du coup, on va aller manger. Oui. Est-ce qu'on va faire un peu de shopping après et ah, on ça revient. C'est sûr. Je vais te faire Alors, découvrir. Les petits. J'aime le faire. On a une vraie fille à côté de moi. Ah, c'est cool ça. Elle va faire du shopping. Avec Kezia aussi. Avec Kezia. Oui, d'accord, dis-nous où on va aller. Alors, on va aller voir la marque Wet n Wild chez Trafic. On va aller voir que des magasins que je connais pas. Rude Cosmetics qui vient de débarquer dans les magasins Beauty. Milani, il y a aussi Milani oui. Là. Et Croudeva, voilà. Tu me disais, il y en a et pas loin. Et il y a aussi. Faut que je rachète la crème pour le jour que tu m'as offert parce que ouais. J'aime bien, elle est presque finie. Et Croudeva. Et je la trouve pas dans mon Croudeva. Ah bah voilà. Il y en a à Lille aussi, mais c'est vrai qu'il n'y a pas tous les produits comme elle trouve. Peut-être que là je trouverai plus de choses. On va tout trouver. C'est parti. Je t'emmène. Attends. Ah tu vois, regarde en plastique c'est cher. Ouais moi j'ai comme ça, exactement celle-ci. J'ai ce style là moi. Mais et en France elle était plus chère. Hein. Moi je l'ai pas payé ce prix là. C'est vrai. Ah, ouais. La marque Technique. Ah, vraiment pas, même style quoi. Même chose. J'en ai pris une comme ça. Ah t'en as pris une, j'allais dire j'en ai vu une chez toi. Ouais. La nouvelle marque est arrivée chez Deep Beauty. Et là on a craqué sur les petit glit and glow. Je vous montre ça. Regardez-moi ce glow pour les lèvres. Il y a même du Physician Formula et le dernier bronzer là, que tout le monde veut. Ah, j'hésite à craquer. Regardez-moi celui-ci, il est magnifique. Pour les Belges qui cherchent les déos bonnes compos là, Schmitt, il y en a chez Di. Bon, ben vous me retrouvez chez Ella. Alors on a fait du shopping, je vous ai montré un petit peu. On a été donc chez Trafic, etc. Chez Croudeva, j'ai pas du tout le temps de filmer parce qu'en fait, il y avait des promos de fou. Tout était, pas tout le magasin, mais il y avait un petit stand, enfin un bon rayon à moins 75%. Et c'est vrai que Ella a l'œil. Maintenant, vous le saurez, si vous regardez ces vidéos, vous trouvez qu'elle trouve toujours des bons plans. Elle a l'œil pour repérer le truc trop bien, quoi. Moi, j'ai pas l'œil comme ça, mais elle a l'œil. Du coup, j'ai fouiné un peu plus comme elle. Et c'est vrai qu'on a trouvé des petites pépites. Donc, je sais pas. Là, je peux pas tout vous montrer. Mais peut-être que je vous montrerai quelques trucs ici que j'ai acheté. Ou est-ce que je ferai une vidéo haul. Peut-être que je ferai une vidéo haul. En tout cas, si je l'ai faite avant ou après, je vous la mettrai dans le petit si c'est le cas. Mais on a trouvé des petites merveilles. Et là, Ella nous a acheté des super petites choses de chez les tartes de Françoise. Est-ce que vous, les Belges, vous connaissez? Elle a acheté deux tartes salées que je regarderai après. Et elle a acheté un moelleux au chocolat, quoi. Regardez-moi ça. Ça a l'air trop bon. Attends, je vais l'ouvrir après mon cœur. Elle voulait acheter un cheesecake, mais il n'y en avait plus. Mais on a hâte de goûter ça avec Poupette. Hein, ma chérie? Moelleux au chocolat. T'aimes pas le moelleux au chocolat toi? J'aime bien celui-là. Oui, bah on goûtera ça. Le marron. Regardez-moi ces tartes, elles ont l'air trop bonnes. Saumon courgette, épinard tomate. Avec des petits pignons là de pain. Feta, je pense qu'il y a aussi. Oh là là, ça a l'air trop bon.
Salut, salut! Du coup, on est aujourd'hui dans la suite de ce vlog. On est quel jour? Jeudi. Hier, je vous ai pas du tout pris parce qu'en fait, je suis rentrée tard déjà mardi soir de chez Ella. Mercredi, du coup, j'ai passé la journée chez belle-maman puisque mon chéri continuait les travaux. Il était en mode là, carrelage. Donc ça avance doucement, mais ça avance. J'ai reçu pas mal de petits colis entre mardi et mercredi où je n'étais pas chez moi. Donc aujourd'hui jeudi, je vais vous ouvrir ces petits colis là. Je vais aussi ouvrir un nouveau swap. Vous en avez déjà vu un swap wishlist sur ma chaîne. Donc je vous le remettrai dans le petit. Et là ça va être un swap vide placard avec Elodie de la chaîne Elodie-moi tout. S'il est déjà en ligne, je vous le mettrai dans le petit i aussi. S'il n'est pas encore en ligne, il ne devrait pas trop tarder. Donc ne vous inquiétez pas. Sur les lèvres, je porte le Raja de chez MAC de la collection Aladdin. Et du coup, je vais vous ouvrir mes petits paquets. Voyez. Voyez, le swap il est là, il est là. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai de beau? Alors il faudrait que je filme ma vidéo haul et tout, mais je vais peut-être attendre ce soir pour la filmer. Donc si vous me voyez en lumière artificielle dans un haul, c'est normal, ce sera peut-être ce soir. Parce que comme aujourd'hui, j'ai fait encore du shopping avec Uriel de la chaîne H Cosmétiques. Mais du coup, je me suis dit, je sais pas si je vais acheter des choses, mais si j'achète des choses comme ça, je vous ferai un haul Belgique, solde, dernier truc. Parce que j'ai aussi acheté quelques petits trucs chez Nocibé. Que je vous avais montré sur un Insta, mais je vous le montrerai si je fais un haul. Donc là, dans la petite enveloppe, qui est très mimi, j'ai reçu un des derniers gels antibactériens, le Ivy Metal. Non, Ivy Petal, pardon, Petal, avec, comme ça, il est un petit design un peu cœur, de chez Merci Andy. Donc moi, vous savez, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai toujours un dans mon sac à main, donc je suis ravie d'avoir une de leurs dernières nouveautés. J'aimerais tellement tester leur déodorant. Tellement, tellement. Je vous en ai parlé sur Insta. J'ai pas encore craqué pour en acheter un parce que je finis ceux que j'ai là, mais je pense que je finirai par craquer à un moment donné. J'ai reçu aussi une bougie, My Jolly Candle. Et si vous me suivez depuis plusieurs vlogs et plusieurs temps, vous savez que celle-ci, c'est ma favorite de chez My Jolly Candle. C'est la fleur de coton. Elle est juste divine au niveau de l'odeur. Je n'ai déjà terminé une en entier. Donc là, c'est ma deuxième. Et comment vous dire, cette odeur, c'est vraiment une odeur réconfortante. Pas forcément une odeur de linge frais, hein, vraiment pas. Là, c'est pas du tout la même. J'ai la bougie linge frais, qui est très agréable. Mais celle-ci, c'est vraiment une bougie cocooning. Vous savez, cette odeur qui vous réconforte. J'adore, mais vraiment une odeur toute douce, toute... pas sucrée, mais vous voyez, un petit peu... Ah, je sais pas comment la décrire, il faudrait pouvoir la sentir. Et à l'intérieur, il y a un petit bijou, c'est un collier, donc j'ai hâte... regardez déjà, d'ailleurs, là. Celui-ci, c'est un collier de chez My Jolly Candle. Je vous le présente à chaque fois sur Instagram. Mais je l'aime tellement. Il est très bonne qualité avec des strass Swarovski. Et du coup, à chaque fois, je l'ai. Même là, le bracelet, c'est de chez My Jolly Candle et Swarovski. Honnêtement, je les aime beaucoup, les bijoux que j'ai dans ces petites bougies. Donc, c'est vraiment deux cadeaux pour moi. C'est la bougie qu'on se fait plaisir à faire brûler. Et en plus de ça, on a un petit bijou qui, voilà, qui est de très bonne qualité. Donc, bougie que j'adore, j'adore, j'adore. J'essaye de vous mettre le lien en barre d'infos si vous êtes intéressé. À peine arrivé avec Uriel et on est déjà en train de manger. Donc petit bagel, petit panini et petit coucou. Coucou Uriel. Je vous rappelle que c'est H Cosmétiques hein, sur sa chaîne si vous ne l'avez pas vu. Et après on va faire du petit shopping. Pas forcément là, mais on va aller faire du shopping. Voilà. Mais tu vas... en fait, tout le monde va croire qu'on fait que manger, tu vois, depuis tout à l'heure. On a fait les magasins entre temps. On avait vu Maison du Monde, ça, on a fait un petit peu les magasins, on a été voir à Kiko. Moi, j'ai craqué chez H&M. Et voilà, Uriel a été raisonnable, elle a craqué que pour son fils. Des chaussons, utile, achat utile, c'est pas ma faute. Hein. Et du coup, voilà, petite gourmandise. Moi, vous savez que je suis une grande fan de Columbus Café. On va mettre le chez Adopt. Petit clin d'œil à Elodie Montaud, qui est fan de ce magasin. Il y a des super offres d'ailleurs. Bah merci, j'ai trouvé un parfum. Ah, à cause de moi, elle a trouvé un parfum. Oui. J'en profite, j'ai 5 minutes pour filmer des vidéos et j'en profite, j'ai reçu un nouveau colis. Donc, je vous en parle maintenant, je pense que je le testerai dès demain parce que là je suis en galère. Mon produit à sourcils que j'avais ne marche plus trop, il est vraiment tout pourri maintenant. Et là je viens de recevoir de la marque Shadow le Brown Boost, un crayon sourcil volumateur.
Je sais pas si vous connaissez, c'est la teinte brun 667. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, hein. Tout est un peu en orange, hein, vous voyez. Et il est très bien taillé. Alors ce qui est dommage, c'est que c'est pas un double embon, vous avez pas le goupillon avec, mais ça c'est pas grave, j'en ai des goupillons. Il est super bien taillé, hein, comme vous pouvez constater, c'est une couleur un peu brune comme ça, il a l'air trop beau. Il a l'air un petit peu sec, mais j'ai hâte de le tester. J'ai hâte de le tester sur mes sourcils demain, parce que là je suis un petit peu en galère. C'est une couleur qui m'a l'air plutôt pas mal en revanche. Oui, j'ai fait des swatchs parce que j'ai fait ma vidéo haul, hein, que vous aurez sûrement vu ou que vous allez voir bientôt. Je ne sais pas dans quel sens je vais mettre tout ça. Parce qu'il faut que j'essaye de faire des vidéos, de monter et de vous faire des petites vidéos préfilmées pour avoir ensuite un peu de temps pour préparer ma classe. Donc je vous dis peut-être à tout à l'heure. Sinon, à demain pour mon petit départ à Paris. Hello, on est samedi aujourd'hui, donc direction Paris. Pour le make-up, j'ai utilisé encore la palette que j'ai dans mon shop, la Lila palette. Honnêtement, j'aime bien. Bon, après, il y a des couleurs qui sont pas forcément autant pigmentées qu'on l'attendait, mais bon, j'ai hâte d'en découvrir plus. Et sur mes lèvres, j'ai un petit rouge à lèvres que j'ai acheté en Belgique. Enfin, c'est plutôt un gloss un peu pailleté comme ça, de la marque Rude Cosmetics Glit & Glow. J'aime bien. Et au niveau de tout mon contouring, j'ai utilisé tous mes nouveaux produits que vous verrez dans mon haul. Moi, je suis méga fan. Je sais pas si ça se verra en vidéo, mais en tout cas, j'adore. Trop glowy, trop sympa ce petit make-up. Voilà, donc direction Paris. J'ai peur qu'il fasse pas très chaud aujourd'hui. J'espère que ça va être une super journée. J'ai pris un pull quand même dans ma petite valise qui est quasi vide en fait, parce que j'ai récupéré des petites choses chez Mélanie. Et puis voilà, c'est parti. Aïe, je suis arrivée dans la voiture de Mélanie. Si vous la reconnaissez, si vous suivez Mélanie, la chaîne Happy Together 17. Hein. On parle tout le temps l'une de l'autre. C'est tout le temps comme ça. Donc je suis bien arrivée et là on va à la baby shower de Nani, de la chaîne Nani. Je crois qu'elle a pas changé de nom, hein, c'est comme ça. Toujours Nani. Donc voilà, je vous invite à aller découvrir aussi sa chaîne. Mélanie, elle a mis son petit. Allez, je peux te montrer maintenant. Donc on a Elsa. Regardez-moi, elle est pas trop craquante avec ses lunettes. Bonjour. du blog Loulou Diary sur Instagram, etc. J'essaierai de penser à vous mettre tout en barre d'infos si vous voulez la découvrir. Et notre petite conductrice Mélanie. Et c'est quoi ton rouge à lèvres du coup là? Happy Together 17. C'est Primark. Ah, une métallique là, il est trop beau. Ouais, métallique. C'est bien son style de couleur un peu métallique, ouais, comme ça. Mais en fait, tout est en carton, les gars. J'ai été en chercher deux vite fait tout à l'heure. Je peux le rouge à lèvres. J'ai tout mis en carton. Ah, tout est en carton. Ouais. J'avais pas fait le lien avec ton déménagement, le boulet. Donc là maintenant on va s'occuper des dons et puis après on va aller voir la petite déco de Nani. Est-ce que t'as eu des... Oh, elle a dit qu'elle ferait pas de tralala. Ah bon, bah on verra alors si elle a fait des petites décos ou pas. A tout à l'heure. On a fait les petits tests des petits pots et Nani ouvre ses petits cadeaux. Quoi? Je me suis fait acheter. Non, j'ai acheté le même, enfin un autre, mais c'est pas le même. Enfin le même corps. Moi j'ai un petit. Blabla. Notre petite Nini. Ah oui, on l'avait pas vu. Bah non, ouais, on l'avait pas vu. Et Mademoiselle Piout que vous n'avez jamais vu sur ma chaîne. Donc la voici. Qu'est-ce que c'est donc? Parce qu'on n'a même pas vu. C'est quoi? Oui, ça j'ai vu. Mais ça c'est quoi? Ça c'est un petit... Il est trop chou. Oh, mignon comme tout. Trop cute. Il faut que j'aille chercher les miens. Le sec? Ah oui. C'est celui-là? Fallait me dire, je t'aurais donné. Ça donne chaud en face. Ouais, d'habitude je mets des plaids, mais... Ah, cool. C'est Mickey. Ah, trop cool. Sacha aura le même corps Lando. Il est sur la liste de mes soins. Je le trouvais trop joli. Mais il est magnifique, mais par contre, amuse-toi. Hein. Il est super, trop de choses à dire. Ouais, mais trop de photos à mettre. Ouais, trop de photos à mettre. Mais il est complet, hein, il est super complet. Oh, et tu sais que j'ai failli le prendre. Bah oui, mais je l'ai acheté hier, donc j'avais pas le choix. Il est trop bon. J'étais partie sur autre chose et puis je vais lui prendre. C'est pas grave, j'aurais été. Ouais, j'ai regardé les dernières petites choses. J'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait et c'est.
Merci. De rien. Tu l'as pas? Non, mais je trouve. J'arrête d'acheter. T'arrêtes, t'es raisonnable. J'arrête. La raison. C'est bien. Ah oui, c'est celle-là, la boîte à cookies. Ouais. Elle est mimi. Hein. Ah, même Karine a dit elle est mimi. Elle est grosse. Il est beau le petit haut là. J'ai peur d'en regretter, tu vois. Hein? J'ai peur d'en regretter. J'allais dire dans ta future maison. T'as vu, il y a du 50-52. Ouais. Il y a de plus en plus grande taille, c'est quoi? C'est une... Double XL. C'est une oui, mais c'est quoi? C'est une chemise de lit? Et voilà, de retour dans la gare. J'ai craqué pour quelques petites choses chez Primark. Je vous montre Disneyland. On est à Disney Village, hein, dans la vallée. Quelques petits achats chez Primark. J'ai trouvé des petits vêtements pour mon fils. Je vous montrerai ça demain, je pense. Et une petite merveille, un petit cadeau de Maëlle, enfin voilà, trop adorable, donc je vous montrerai ça demain. Coucou, on se retrouve pour ce dernier jour de Weekly Vlog, puisque aujourd'hui nous sommes au zoo, à Paris. Je me rappelle déjà plus du nom. Paris Deza, hein. Vous m'en voudrez pas les Belges, hein, si je me trompe. Donc aujourd'hui, journée au zoo, et je clôturerai ce vlog ce soir, donc c'est journée en famille. Je sais pas si vous verrez mon make-up aujourd'hui, mais c'est en tout cas assez simple. J'ai encore utilisé la Lila palette, elle est vraiment, vraiment pas mal, j'aime bien. Et j'ai mis un joli rouge à lèvres Balmain, mais vous verrez pas trop là, avec un rouge à lèvres Pixie. Enfin, je vous en reparlerai dans une autre vidéo où je vous montrerai mieux mon make-up, mais vraiment très joli make-up simple pour porter au zoo. Il y a chaque ambiance dans chaque partie du zoo, une ambiance africaine, une ambiance indienne, etc. C'est vraiment très bien fait. La boutique pour les fans de panda. Petit coucou à Mélanie du coup. Bon, je me fais une petite pause avec un smoothie à la fraise, à la menthe et au jus d'orange. Et là j'ai acheté des pailles ici donc dans le zoo. 4 pailles pour 1€. Il y a même le petit goupillon, des pailles en bambou. Je trouve ça trop bien réutilisable. C'est vraiment une super idée. Je vous retrouve le soir de cette journée. Ça va être pour clôturer le vlog et surtout vous montrer aussi mes petits achats chez Primark. J'ai oublié hier de vous les montrer. En même temps, hier, j'ai pas du tout filmé. Donc voilà. J'espère que ce vlog en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas dès maintenant à mettre le petit like et je vous montre mes trouvailles chez Primark avec Mélanie donc, de la chaîne Happy Together 17. On est parti au Primark de Val d'Europe. Première fois que j'y allais, donc très bien. Pour 4€, j'ai trouvé ce petit pull un peu moutarde comme ça avec la belle étoile. Bah, je crois que c'est Mélanie qui l'a trouvé d'ailleurs. Et du coup, je l'ai pris pour mon fils Oran en 24-36 mois.
Ce qui est bien à Primark, c'est qu'ils nous laissent les cintres. Du coup, moi j'adore. Donc toujours en 24-36 mois, un deuxième petit pull comme ça, gris et avec des petits monstres dessus. Legend Monster. Et pour 4€ encore une fois. Et j'ai pris un pantalon moutarde parce que je l'avais trouvé trop beau l'été dernier. Enfin, ouais, l'automne dernier avec ce pantalon-là moutarde, mais que j'avais eu en cadeau. De chez Kiabi, je crois. Et du coup, voilà, je l'ai repris en moutarde de chez Primark pour 6€. Ça fait quand même un ensemble à 10€, je trouve que ça vaut le coup hein, pour certains vêtements. Pour ma fille, j'ai pris un joli serre-tête comme ça, couronne de fleurs, pour 2€. Je la trouvais vraiment, enfin, je le trouvais vraiment très très beau. Il est plutôt qualitatif. Après, ce qu'il va tenir sur sa tête, je l'espère. Toujours pour mon fils Oran, histoire de remettre un peu à jour sa garde-robe, j'ai pris 7 paires de chaussettes pour 3€. Donc voilà, des petites chaussettes pour sa taille, donc très bien. Pour mon fils Kezia, je lui ai pris des pyjamas parce que je suis en totale galère de pyjamas. Je pense que mes anciens pyjamas de mon fils, donc Oran, j'ai dû en jeter une bonne partie parce qu'ils devaient beaucoup trop baver et ça les a abîmés, je pense à force, parce que je vois pas où ils sont passés. Donc j'en ai pris en 3-6 mois, sachant que Primark taille grande quand même. Donc je pense que là, ça va être largement grand pour lui. Il y en a 3 à l'intérieur, 3 lots comme ça. Donc dans les tons bleus à 9,50€, donc pas donné, mais bon, il y en a 3 quand même dedans. Et en 6-9 mois, j'ai pris cela pour l'automne avec des couleurs un petit peu plus peps, comme ça je trouvais ça très mignon, des petits monstres encore une fois. Non, c'est pas des petits monstres, c'est des petits. Ouais, c'est pour l'automne, hein. Des petits renards. Et toujours pour mon petit Kezia, je lui ai repris des petits bavards parce qu'il me les use à une vitesse folle. Il bave beaucoup, il vomit de temps en temps quand même. Hein. Et ceux-là, ils sont pas mal, ils sont à 4,50€ les 5, je crois. Oui, 5. Alors, s'ils sont bien, j'irai en racheter. Parce qu'ils sont, on va dire, un petit peu plastifiés à l'arrière. Et ça évite que le body ou la tenue soit toute mouillée aussi. Comme lui, il vomit pas mal, ça devient vite mouillé. Donc, je me suis dit, je vais tester ceux-là. Ils sont pas très grands, donc c'est plutôt pas mal. Ils ont des petits messages comme ça. Plutôt mignons. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Mélanie a offert pour Kezia une petite tenue. Disney, elle l'a trouvée donc pas en solde, mais en promo en tout cas à 3€ au lieu de je ne sais pas combien. C'est un ensemble, mais en fait le souci c'est qu'il y a du chewing-gum dessus. C'est pour ça qu'il était en promo. Je sais pas si vous verrez, mais sur la tête là du dalmatien, il y a une petite trace de chewing-gum. Donc je vais voir comment on enlève du chewing-gum sur une tenue, mais bon, ça va s'enlever je pense. C'est sur l'effet plastique en fait, donc ça devrait s'enlever assez facilement. On va essayer ça. Et donc il y a le body, le pyjama. Et le petit bavoir, c'est un ensemble qui est plutôt mignon. Et puis le pyjama, lui, il a rien du tout. Donc voilà, pour 3€ même, juste le pyjama, ça va être cool, je trouve. Donc belle affaire. Et merci Mélanie pour ce petit cadeau. Alors on a fait une jolie affaire aussi, encore une fois, avec Mélanie. Moi, je voulais absolument, en fait, j'avais vu qu'elle était à 5€ au lieu de 10€ chez Primark, en solde, la palette Aladdin. Je me suis dit, bah tiens, si on y va, je vais la prendre parce que Mélanie l'avait repérée avant moi. Et bah du coup, on l'a prise et ça valait vraiment le coup. Donc, je l'ai prise. Elle est vraiment très belle, oula. J'allais faire une petite bêtise. Elle est vraiment très sympa. Je l'avais swatchée en magasin. Il y avait quelques couleurs qui étaient dispo. Je l'ai swatchée. Et c'était plutôt pas mal. Donc pourquoi pas. Hein. Je testerai à l'occasion. Je ne sais pas ce que ça vaut. Mais ça va pouvoir aller rejoindre ma petite collection à la teinte. Je vais vous montrer ça. Ici dans mon bureau, j'ai des petites étagères. Des petites nouvelles étagères avec toutes mes petites choses à la teinte, tout ça. Donc je pense que je vais la mettre par ici. Avec mes rouges à lèvres d'ailleurs à la teinte de chez MAC. D'ailleurs j'en ai pris une deuxième palette, regardez, tout enveloppée pour 5€. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai mon Vinted. Je me suis dit que ça pouvait peut-être plaire à certaines d'entre vous qui n'ont pas de Primark par chez elles. C'était une jolie offre et une jolie palette. Et voilà pour mes petits achats chez Primark. D'ailleurs je voulais vous montrer, regardez, là j'ai mis un double collier et c'est le collier que j'ai eu dans ma deuxième bougie. Celle-ci à la coconut de chez My Jolly Candle, je vous en avais parlé il y a pas très longtemps dans une vidéo, je ne sais plus laquelle. Du coup ça me fait un deuxième collier et je les ai mis ensemble, ça fait double collier, je trouve ça trop mignon. Et moi je vous avoue que les bijoux dans My Jolly Candle, je les adore, hein, donc je voulais vous le dire. Voilà, je vous invite à liker comme je vous ai dit, à me dire ce que vous en pensez de ce long peut-être vlog en commentaire. Et on se retrouvera pour un futur vlog, mais du coup soit bureau, soit organisation cette fois-ci pour ma classe, puisque maintenant là les dernières semaines avant la rentrée arrivent et du coup va falloir que je bosse comme une dingue. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très vite, salut.